Bonjour à tous, dernier épisode, épisode numéro 7. On est jeudi, voilà, c'est le dernier épisode parce que Jean-Louis rentre demain. Et du coup, j'ai regroupé les derniers bols. Donc, je vais vous les montrer. Premier bol, je pense que c'est réservable ça. On a une sélection, alors il m'a dit très haute qualité, c'est pour ça que j'ai mis VHQ. On est sur 149 euros. Avec un. Alors, c'est du mix, c'est pas du tout venant. Hein. Il y a pas mal de variétés qu'il a sélectionnées. Ça vient de chez Aoki. Et on est sur du Tateshita, on en avait déjà parlé. 20-25 cm. Voilà. Et vous allez avoir des Ginga, des Kikokiryu, des Ginringoshiki. C'est le seul d'ailleurs. Je crois pas qu'on en ait. J'ai plus souvenir, mais je crois. Voilà, c'est assez rare. Ginringoshiki. Et du Kikusui, il y en a plusieurs. Des petits Kohaku, des Goromo aussi. Bon, faudra prendre le temps de s'amuser au PO pour sélectionner des poissons qui vous intéressent parce qu'on est quand même à moins de 150 euros. Vous avez également dans le bol, il y en a 5, oui, c'est des Koryu. C'est ce que j'ai mis en dernier. Ce sont les poissons jaune-orangé là. Il y a une variété qui est spécifiquement développée par Aoki. Et Jean-Louis en a sélectionné quelques-uns. C'est assez rare. Il en avait eu, je crois, il y a longtemps. Tiens, je vois un sanké aussi. Je ne l'ai pas mis. Il y a également des petits sankés. Voilà, donc ce bol-là arrive dans quelques semaines. Alors, on voit le magnifique Ginrin Kohaku au milieu. Le pattern est sympa. En plus, on a un maru sur la tête. Très rouge. Une autre zone bien rouge sur le corps. Bref, voilà, premier bol. C'est fait. S'il y en a qui sont intéressés, vous faites une capture d'écran. Comme d'habitude, vous l'entourez, vous envoyez ça à Jean-Louis. Après, un deuxième bol. Voilà, on est sur quand même du plus gros, 30-40 cm. Alors, vous avez deux Oshiba avec un Fukurin déjà bien net. Ouais, assez sympa, des patterns équilibrés. Bon, avec des motifs différents. Après, c'est selon vos goûts. Vous avez également deux Iutsuri. Et vous avez un Ginrinshiro en bas. Ouais, pas si fréquent. Le noir est déjà bien sorti. Poisson sympa. Qui devrait rester très équilibré. Et 295 euros, donc on est vraiment pas cher. Pour ces poissons-là. Et les deux Kishushui, que vous avez en haut et un au milieu, là. Pareil, plutôt symétrique au niveau des écailles qu'ils ont sur la dorsale. Beau poisson, pas si fréquent. Assez jaune. 395 euros. Ah, j'ai euros, j'ai inversé, pardon, faute d'orthographe. Voilà, donc ces deux-là sont un peu plus chers et le reste est à moins de 300 euros, ce qui fait quand même pour des poissons de cette taille sur cette qualité-là un super rapport qualité-prix. C'est vraiment l'intérêt d'aller au Japon parce que comme c'est un vrai fouineur, il arrive quand même à dégoter des petites merveilles à des prix tout à fait abordables. Et on termine. Avec ce bol-là, qui est peut-être mon préféré. Bon, après, tout le monde s'en fout, mais de mon avis, ouais, c'est un bol que j'ai adoré. Donc, vous avez, c'est ce que j'ai mis en dernier, un Maruten là, qui se trouve sur la gauche, Kikusui, qui est un Sensai, à 480 euros. Donc, c'est le seul Sensai du bol. Magnifique poisson, là, on le voit à gauche. Pattern équilibré, les couleurs sont bien prononcées, j'aime beaucoup. Et le reste est aussi à 480 euros. On a deux Goromo. Alors, avec des bodies différents, il y en a un qui a un body plus développé que l'autre, mais le petit, qui est un mâle, du coup, a un pattern beaucoup plus léger, très équilibré. Alors, il y a plein de zones rouges lit de vin qui sont assez sympas. Enfin, moi, je trouve qu'il a du charme, ce poisson. Et puis, à côté, juste à côté, là, à droite, on a une très belle femelle. Un pattern complètement différent, mais très beau poisson également. Les couleurs, les deux couleurs, le blanc et le rouge bordeaux sont très prononcés. Voilà, deux superbes goromo. Ensuite, en bas, vous avez un Kindai Showa Utsu qui se trouve en haut maintenant, puisque la vidéo est en train de boucler. Pareil, on retrouve un pattern plutôt équilibré. Donc, ouais, ceux qui veulent le Kindai Showa, ça peut être sympa avec le petit V en noir sur la tête. Ouais, vraiment agréable. Et un Showa que je trouve personnellement magnifique qui se trouve au milieu. J'aime bien ce type de choix parce qu'il y a pas mal de blanc en base. Ouais, on pense au Kindai Showa, moi j'aime beaucoup. Et on voit le sumi qui va sortir sur tout le poisson. Il y a un très beau body.
Donc, à part le petit mâle Goromo, ce sont toutes des femelles. Et là, il y a une femelle Showa que je trouve absolument splendide, parce que si on regarde bien, le sumi va sortir à gauche comme à droite, ça va équilibrer le poisson. Le beignet est déjà bien présent, aussi bien sur la tête, et la tête va se nourrir du sumi noir qui va, du sumi qui va sortir, avec en plus le noir sur les nageoires, les pectorales. Je pense qu'à la fin, ça va faire un Showa magnifique, et il est vendu moins de 500 euros comme le reste du bol. On a fait le tour pour ce dernier petit live épisode 7. Je rappelle les PO, portes ouvertes samedi 15 avril, toute la journée. Repas offert, gentillesse de Jean-Louis, profitez-en, il faut vous inscrire voilà, pour avoir des places réservées. Comme pour les coins, n'hésitez pas à les réserver parce que le jour J, c'est parfois plus compliqué, il y a beaucoup de monde sur certains bacs. On essaiera, j'attends que Jean-Louis rentre, on va voir quand les poissons arrivent. Et s'il reste un peu de temps, on essaiera de faire des vidéos plus sélectives, peut-être avec moins de poissons sur les bols pour que vous puissiez un peu mieux voir la qualité et décider, ce sera avec plaisir, de venir au PO. Bien, merci à tous et je vous dis à bientôt.